Et bonjour et bienvenue dans Vue du Nîmes, le talk show de l'Université de Nîmes. On a préparé pour vous plein de sujets aujourd'hui pour parler de l'établissement. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Clément Bonnet. Bonjour Clément. Bonjour Eric. Donc Clément qui est président de l'association Les Incroyables Possibles, qui est notamment gestionnaire du Fab Lab de Nîmes. On y reviendra un petit peu après. Je précise dès maintenant qu'on ne porte pas les masques parce qu'on respecte une distanciation et qu'en plus, on a tous été vaccinés contre la Covid. Autour de cette table, on retrouve aujourd'hui notre président Benoît Roig. Benoît Roig, bonjour. Bonjour Eric. Comment ça va? Essoufflé. Essoufflé, oui. Donc pour la petite histoire, puisque la perche est tendue, Benoît qui vient d'arriver sur le plateau parce que voilà, il s'est rappelé qu'il devait venir parce qu'il a reçu la notification de début de live. Voilà. Bon, merci d'être présent pour cette émission. À côté, on retrouve Nicolas Leroy, qui était en avance. Nicolas, qui était lui en avance d'une bonne dizaine de minutes. bonjour Nicolas. Bonjour Eric. L'aura de l'histoire, c'est pas ce soir, c'est mercredi cette semaine. Et oui, parce que je savais que vous attendiez le canal de Suez, donc du coup, je vais attendre encore un petit peu plus. Donc, c'est donc le canal de Suez, enfin. Demain à 18h. Voilà. Très bien, ben, merci beaucoup. Et tout à droite, on retrouve Tom Servière, notre étudiant en Master IC, donc qui est présent sur le plateau. Salut Tom. Salut. Alors, plein de nouveautés pour cette semaine. Ouais. Écoute, la Covid qui revient jeudi, on va avoir le retour de chroniqueurs qu'on n'a pas eu depuis un moment. Ça va être très sympa. Donc, écoute, ça va être chouette. Ouais, super. Merci. Bah, sans plus attendre, on va lancer notre première rubrique, l'interview présidentielle. Bien, alors, rebonjour. Alors, oui, effectivement, j'étais en retard. Et deux, en fait, j'ai un petit problème parce qu'on a perdu hier contre les Suisses. Et, ça m'a un petit peu chagriné. On n'a pas parlé sur l'introduction, mais il fallait le dire. Parce que c'était une mauvaise nouvelle hier soir. On reçoit aujourd'hui Clément Bonnet, le président de l'association Les Incroyables Possibles. Alors, première question, Clément, c'est quoi l'association Les Incroyables Possibles? Alors, Les Incroyables Possibles, c'est une association qui a été créée lorsque l'on avait décidé de monter le Fab Lab. C'est une association qui a été créée par, alors historiquement, les petits débrouillards et étranges ordinaires avec des citoyens. Dont faisait partie donc Raja Nouali, qui est aujourd'hui coordinatrice du Fab Lab, et Olivier Loinet, qui est Fab Manager. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec cette association? Alors, cette association, elle anime et elle gère le lieu, le Fab Lab. C'est vrai que quand on parle, on parle plutôt du Fab Lab, un peu moins des incroyables possibles. Le Fab Lab, en fait, c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde et où on peut faire absolument tout ce qu'on veut, ou presque réaliser, donc d'où le nom des incroyables possibles, puisque dans ce lieu, on va retrouver plein de machines super intéressantes comme des imprimantes 3D, une découpeuse laser, une fraiseuse à commande numérique, un plotteur de découpe, une machine à coudre maintenant, enfin, et j'en passe. Donc vous voyez que le champ des possibles est vraiment ouvert. Et donc dedans, on peut aussi pratiquer de l'électronique, microélectronique. Et c'est surtout le fait que, comme il est ouvert à tout le monde, plein de gens avec des connaissances différentes. Et on apprend avec tout le monde, en fait. D'où la richesse d'un lieu comme ça. Alors, pour informer nos viewers, on t'a connu maintenant, j'ai retenu la leçon. En Suisse, je ne sais pas. Le Fab Lab, il est situé où? Alors, le Fab Lab, il est situé, l'adresse est 69 rue Georges Besse, donc c'est ce bâtiment qui a des allures un peu d'un bâtiment de l'URSS, vers le parc Georges Besse, le bâtiment de l'Errier, où il y avait avant l'école des mines. Donc c'est un bâtiment qui est dédié en grande partie à l'enseignement supérieur.
Voilà. D'accord, et donc le Fab Lab, il est en rentrant à droite. Tout à fait, oui. Sur le cube. Sur le cube. Voilà, ben, alors ça, je sais même pas, je l'ai même plus en tête sur l'architecture. On a voilà tout, ça représente en tout 400 mètres carrés quand même comme lieu, donc c'est assez grand. 400 mètres carrés, donc on le répète, d'équipement de grande qualité qui permet à tout un chacun de fabriquer, de prototyper un objet ou en tout cas un projet en tout cas, de façon libre et autonome, avec par contre du personnel qui, dans un premier temps, forme les opérateurs, les personnes en fait à l'utilisation de ces machines quand même qui sont quand même de haute facture, qui ont un coût important et voilà, il faut quand même un minimum de savoir-faire pour les utiliser. Ouais, donc pour rentrer, bien en fait c'est j'ai dit que c'est ouvert à tout le monde, c'est très libre, il y a quand même une adhésion qui est à l'année, donc qui représente 40 euros à l'année et 20 euros pour les étudiants ou les demandeurs d'emploi. Puis après, une fois qu'on a ça, eh ben, on va apprendre à utiliser les machines. Il y a des formations qui sont dispensées, soit par le Fab Manager, soit par des adhérents, des membres eux-mêmes. Donc il y a plein de formations qui sont pratiquées déjà par des membres. C'est l'intérêt aussi de... là, je parle un peu du modèle économique, c'est-à-dire que du moment qu'on a une compétence et qu'on passe du temps et qu'on va former d'autres personnes, on va monter, par exemple, il y a Anthony qui a monté une formation à la découpeuse laser, il fait ça bénévolement, mais derrière, il contribue avec du temps machine. Donc si, par exemple, des étudiants, je dis ça au hasard, des compétences, on ne sait rien, pour des logiciels 3D, par exemple, ils pourraient très bien décider de monter une petite formation pour apprendre aux gens à utiliser, à faire de la 3D pour après passer sur les impressions et gagner comme ça aussi du temps machine de l'utilisation pour leur projet perso. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Fab Lab aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller le visiter. Donc l'université a noué un partenariat, donc nous avons signé ce partenariat la semaine dernière, qui donne la possibilité à tout étudiant de l'université de Nîmes d'être adhérent au Fab Lab et de pouvoir bénéficier des outils et de la formation et de l'accompagnement du Fab Lab. Alors c'est très intéressant pour nos étudiants, notamment sur les filières plutôt artistiques, mais en fait on s'aperçoit que le message est déjà un petit peu passé au niveau de l'établissement et que d'autres types d'étudiants, hein, qui ne sont pas forcément les filières artistiques, viennent déjà fréquenter votre... Tout à fait, oui, parce que puisque c'est clair qu'on y voit un intérêt assez direct avec le design, mais il y a plein, en fait, quand on est étudiant, on a des projets, quel que soit un peu notre section. Souvent, on a même des projets personnels qui n'ont pas forcément de lien avec nos sections, qu'on peut venir réaliser, soit qui pourraient avoir aussi un lien direct. Par exemple, il y a quelque chose aussi sur les Legal Tech. On peut très bien au Fab Lab imaginer plein de choses et rencontrer des profils qui sont plutôt développeurs et avoir un profil plutôt... droit à l'université, quoi. Ce qui est super intéressant, c'est là-dedans, c'est que c'est ce mélange en fait des gens, quoi, et de leurs compétences, de leur milieu. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que quand ces personnes-là se rencontrent et que ça fait naître un projet, quoi. Mixité, etc. Ouais. Exactement. Alors, ce qui est intéressant également au Fab Lab, c'est que on peut observer de la création, de l'innovation. Hein. J'ai encore en mémoire le portrait de Dali fait avec une technique qui m'est complètement assez inconnue, mais il faut vraiment aller voir au niveau du Fab Lab. Il y a Dali, il y a le Pont du Gard, et le troisième c'est Van Gogh, avec une technique qui est assez particulière. C'est un jeune homme qui est venu un jour et qui a raconté un petit peu peut-être
Oui, alors c'est Melvin qui est venu. Et donc il avait sur un cadre de roue placé un peu des clous. Et après, avec du fil, il allait relier un point à l'autre à chaque fois, comme ça, pour faire par superposition des fils, faire apparaître en fait un dessin. Donc c'était quand même un programme qui lui disait quel point relier à chaque fois pour avoir telle image. Donc il a commencé d'abord à faire ça à la main, donc il y passait un certain temps, et c'est qu'il y a quand même assez épatante, c'est qu'après il s'est dit bon, il faudrait que j'arrive à aller plus vite. Donc il a conçu la machine qui lui permettait de le faire. Donc maintenant il met son cadre, il a construit la machine, le programme, et c'est cette machine qui tisse maintenant ses œuvres. C'est vraiment épatant. Un deuxième point intéressant sur le Fab Lab, c'est que vous faites également de la prestation. C'est-à-dire qu'on peut vous commander. On est bien au courant dans l'université parce qu'on vous a commandé il y a quelque temps un objet qu'on voulait donner à nos membres du conseil d'université lors de la précédente mandature, et puis vous avez réalisé pour nous cet objet. Alors je dois le dire en un temps record, hein, puisque vous avez eu 15 jours pour le faire. Donc, ça a vraiment été sûr. Mais voilà, vous faites aussi de la prestation, donc n'importe qui peut venir et vous demander de fabriquer un objet, et vous voyez avec cette personne, en fait, le type et dans quelle matière, etc. Oui, en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est généralement, c'est des gens qui viennent, ah, j'ai cassé cette pièce, et c'est vrai qu'il y a aussi les Fab Labs sont connus pour ça, c'est un peu aussi ce fantasme-là de l'impression 3D qui fait qu'on peut tout réparer. Désolé, il y a quand même des choses, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que bien, pour faire ça, il faut quand même maîtriser, passer par l'étape du logiciel 3D. Donc nous, l'intérêt, c'est que on va former les gens, mais il y a aussi des gens qui ça n'intéresse pas forcément, ou c'est trop contraignant. Donc à ce moment-là, bien, nous, on fait une prestation. Mais les prestations, elles sont plutôt du côté des entreprises qui ont des projets, et donc on va le suivre dans de l'accompagnement aussi de prototypes. Alors, soit du prototype, soit carrément après des pièces, une fois que c'est fait. Par exemple, il y a une entreprise pour qui on fait pour mettre les cartes des chauffeurs de bus. Bref, c'est une petite pièce comme ça en 3D, mais là on est presque sur c'est de la moyenne série, quoi, mais on en voit quand même pas mal de pièces pour eux. Alors, racontez-nous maintenant la fois la projet auquel vous avez répondu et pour lequel vous avez vous êtes lauréat et potentiellement hôte de personnalités qui pourraient éventuellement venir sur site. Oui. Donc c'est beaucoup de conditionnels. Oui. Effectivement, donc nous avons répondu à l'appel à projet de la NTC, donc qui était donc outiller la médiation numérique. Donc nous faisons partie des trois lauréats qui ont été sélectionnés pour cet appel à projet. C'est une collaboration avec donc Étrange Ordinaire et le Fab Lab de Nîmes. Alors là, il s'agissait en fait de concevoir un mobilier pour accompagner les médiateurs du numérique à former, à accompagner les personnes qui ont un peu de mal encore avec ça, pour faire leur démarche administrative, pour simplement apprendre à utiliser un ordinateur. On s'aperçoit que parfois c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer. Et voilà, donc ça, on a fait tout un travail en immersion, où on a rencontré les structures qui pratiquaient déjà un peu cet accompagnement-là, pour en ressortir des différentes postures, pour se dire, bon, ben d'accord, il y a telle posture d'accompagnement, pour à la fin tout casser et se dire, ben on va créer une nouvelle posture. Et cette nouvelle posture a donné lieu en fait à
à cet objet qui maintenant s'appelle la maisonnette, donc, qui est un petit mobilier qui s'ouvre, donc, qui est à peu près haut comme ça, et dans lequel il y a déjà l'ordinateur, la tour. Et pour l'utiliser, bien, on prend des petites plaques qu'on pose sur ses genoux avec, pour mettre l'écran, le clavier et la souris. Donc on vient avoir un rapport à l'objet, au numérique, qui est beaucoup plus décontracté. On casse vraiment les codes avec ce petit objet, ce mobilier qui est en bois, coloré. Ça fait vraiment comme un petit intérieur quoi, quand on l'ouvre. Voilà, tout ça pour l'aborder d'une nouvelle façon. Et ce mobilier, j'étais encore en train de travailler sur le prototype qu'on présente jeudi à Paris. Il sera conçu par, après, l'étape d'après, c'est des makers pour équiper les différents lieux comme... Là, dans le coin, on a Solidarnet, qui est une entreprise qui fait de l'accompagnement voilà, auprès des personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Il y a des belles performances, parce qu'il y a trois lauréats, je ne sais pas combien il y avait de candidats, mais en tout cas, on peut dire que c'est quand même une belle réussite en tout cas, d'arriver déjà à pouvoir implémenter votre proto à Paris. Oui, c'est vraiment... C'est vraiment super, effectivement, parce que je crois qu'il y a des 35 candidatures, quelque chose comme ça. C'est au plan national, et puis les autres lauréats sont aussi des agences de design qu'on apprécie beaucoup quoi, et qui font du très bon travail. Donc c'était assez. On était très contents de se retrouver avec eux. Quoi. Alors, peut-être, on ne l'a pas dit, mais. Peut-être l'occasion aussi de dire comment le Fab Lab a été conçu avec l'aide. Je sais qu'il y a certains modèles qui ont été ATB, peut-être aussi en parler. Donc le Fab Lab, ça a été fait avec. Bon, il y a une relation de partenariat depuis le début avec Nîmes Métropole. Puis nous avons répondu à l'appel à projet de la région à l'époque et que nous avons remporté. Qui nous a permis de monter ce lieu-là avec évidemment le partenaire Nîmes Métropole. Donc aujourd'hui, vous êtes 3 personnes, 4 personnes dans le Fab Lab ? Dans le Fab Lab, en fait, il y a 2 personnes qui sont salariées, donc Raja et Olivier. Donc ce sont les deux seules personnes là, qui gèrent le lieu. Après, il y a dans l'association. Nous sommes 3 personnes. Dans le bureau, je veux dire. Voilà. Oui, oui. Alors, une petite. Sans compter les membres. Une petite plaisanterie en termes d'adhérents, puisque. Oui. Lorsque nous avons fait la signature, il y a eu un petit échange avec la presse qui demandait combien d'adhérents il y avait au niveau du Fab Lab. Oui, j'ai vu que ça avait été bien relayé, dans la presse, ils annonçaient du coup 3 000 à 5 000 adhérents grâce à notre partenariat, effectivement, puisqu'en étant étudiant à l'université de Nîmes, on est automatiquement adhérent du Fab Lab. Donc c'est du fou. Aujourd'hui, d'un point de vue... quantitatif, le nombre de personnes aujourd'hui qui fréquentent le Fab Lab. Alors, encore une fois, il faut dire qu'il est très très jeune ce Fab Lab, Alors, même si ça fait longtemps que l'on travaille à faire naître ce lieu, près de 3 ans, il a 1 an d'existence et donc on a fait l'inauguration, c'était en février dernier. Et après, c'est le Covid qui nous est tombé dessus. Donc, on a. C'était un peu dur pour nous, mais en même temps, ça a été assez bénéfique, on va dire, dans le sens où ça a permis de montrer toute l'utilité en fait d'un espace comme ça, d'un outil comme ça sur le territoire, puisqu'on a été très réactif, on a pu répondre à de la fabrication et des personnes aussi qui se sont rencontrées et qui ont fait. Qui ont travaillé sur l'émergence d'idées pour pallier un peu à la crise. Quoi. Oui, alors, ça
me permet de faire le lien aussi pendant la crise, puisque vous avez aussi contribué à des éléments de solidarité, hein, notamment en fabriquant des visières ou autres dispositifs après que vous avez qui ont été distribués. Ça aussi, c'était. Oui, alors au tout début, c'était effectivement les visières. Il fallait aussi faire attention parce que il fallait qu'on pense aux matières premières, puisque d'un coup, toutes les frontières étaient fermées. Pour avoir des matières premières, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis, on s'est aussi organisé entre les Fab Labs d'Occitanie. Donc, le Fab Lab fait partie du Red Lab, qui est le regroupement en fait des Fab Labs d'Occitanie, donc des échanges comme ça qui sont très bénéfiques, quoi. Merci. En tout cas, moi je suis ravi au titre de l'établissement d'avoir noué ce partenariat, tant pour nos étudiants qui sont en prise directe avec des métiers de l'art que pour l'ensemble de nos étudiants et personnel. On n'a pas dit, mais tous les personnels également de l'université peuvent avoir accès de manière privilégiée et en même un certain nombre des gens. Qui vous sollicite pas mal, hein, je pense à une collègue notamment. En tout cas, oui, je suis ravi pour notre établissement d'avoir ce partenariat qui nous permet quand même d'avoir accès à du matériel et de l'espace que nous n'avons pas ici et qui est très 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 bénéfique pour nos étudiants. Et si je peux juste rajouter un petit mot pour faire une annonce aux étudiants, donc qu'ils... On les invite à venir et co-construire du coup le programme de l'année. Et ensuite, en septembre, nous, pour la Digi, la French Design Week, on fait un petit marché des créateurs. Donc pareil, si ils veulent participer, aider à l'organisation ou même présenter en fait des objets qu'il voudrait présenter à l'occasion de cette semaine, c'est avec grand plaisir. Et je rappelle que donc le Fab Lab, c'est encore une fois, c'est leur maison. Donc ils viennent quand ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Merci beaucoup Clément. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a, vous avez d'autres questions autour de la table? Question, pas forcément, mais, une remarque, hein, je pense que ça peut être pas mal de faire justement au début de l'année prochaine, hein, en octobre, peut-être un petit rappel justement du Fab Lab. On va avoir des... l'université commence à être un petit peu plus clairsemée, on va dire, mais on va avoir de nouvelles troupes qui vont arriver en septembre, et je suis persuadé que la présence du Fab Lab, ça va intéresser pas mal de monde, donc il faudra voir un petit peu comment on peut communiquer, faire une piqûre de rappel, c'est... terme d'actualité pour nos étudiants. Peut-être un stand, pourquoi pas, lors de la semaine de pré-rentrée, un petit teasing au passage. Maintenant qu'on a préparé une petite pré-rentrée, on va parler un peu pas comme les autres. Hein. Hein. Peut-être un stand à pré-rentrée. Donc, vous avez une proposition de stand sur la l'université. C'est pas tombé dans l'oreille d'un seul. Et donc, pour vous contacter, vous êtes sur les réseaux, vous êtes pour nos étudiants qui cherchent à avoir quelques informations. Oui, donc on a le site internet qui est lefablab.fr. Ensuite, donc on est sur Facebook. Puis après, je vous invite en fait à venir directement nous voir. Oui, donc c'est vrai que pendant nous, on a fait une visite du site pour la signature de la convention qui avait lieu il y a une semaine, tout pile. C'est vrai que pour se rendre compte, c'est quand même bien de venir sur place. On voit les machines, on voit un peu l'ambiance qu'il y a, l'aspect très collaboratif. Donc on ne peut qu'encourager nos étudiants à se rendre directement au Fab Lab. Puis un bel espace vert aussi derrière. Oui, c'est vrai, on en a profité juste après la signature. C'est vrai que c'est quand même plutôt agréable en cette saison. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va passer à la rubrique suivante qui est l'info du SUP. Eh bien, l'info du SUP, on va continuer notre parcours dans le temps en fait, puisqu'on avait parlé des inscriptions la dernière fois, et donc les inscriptions, une fois qu'elles auront été faites,
on va arriver bien sûr sur la rentrée au mois de septembre. Alors la rentrée, et plus précisément la pré-rentrée, puisque la première semaine où l'université est accessible aux étudiants, c'est une semaine de pré-rentrée à destination notamment, principalement, des néo-arrivants, c'est-à-dire donc des étudiants de première année, tout particulièrement, mais pas que, hein, licence professionnelle également, master. Donc la pré-rentrée, elle existe pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a un dispositif particulier pour les premières années. C'est ce dispositif que je voulais vous présenter rapidement aujourd'hui. Donc la pré-rentrée, elle aura lieu la semaine du 6 septembre, hein, à partir du lundi 6 septembre. Alors il y a un aspect qui est assez classique, qui est l'organisation de conférences, de présentations des enseignements dans chaque licence. Donc chaque étudiant inscrit dans une licence en première année va se voir invité, vous aurez les informations dès lors que vous serez inscrit, les informations précises sur la salle, les horaires, etc. Et donc chaque étudiant va suivre cette conférence de présentation qui est organisée par l'équipe pédagogique, hein, donc les enseignants que vous aurez au cours de l'année prochaine, qui vous présenteront un petit peu. C'est assez important parce que c'est l'organisation des enseignements, c'est les modalités de contrôle également, donc c'est le premier contact que vous avez avec les équipes pédagogiques, sachant que les cours débutent la semaine suivante, hein, donc la semaine du 13 septembre. Il n'y a pas que ça, il y a également des ateliers, alors là c'est en plus petit comité, des ateliers de formation à l'espace numérique de travail, donc là aux ressources numériques, qui sont des ressources, on le sait, très importantes. Alors même si, je ne l'ai pas dit, la rentrée se fera en présentiel, le numérique reste important, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez des cours à distance, mais vous aurez quoi qu'il en soit une plateforme numérique sur laquelle il y a beaucoup d'informations qui viennent compléter les cours en présentiel. Et donc, évidemment, il faut vous former à cela, ça c'est vraiment fondamental, de participer à ces ateliers qui ont lieu également cette même semaine du 6, après la conférence générale. Et puis, la bibliothèque universitaire organise également une formation à l'utilisation des ressources bibliographiques. Donc là, ça se fait en deux temps, il y a un petit temps à distance, justement, sur l'espace numérique de travail, que vous maîtriserez donc, bien sûr, à ce moment-là. Et ensuite, il y a un temps en présentiel, à la BU, de découverte de la BU, comment est-ce qu'on emprunte des bouquins, où est-ce qu'on trouve les livres qui nous intéressent, etc. Donc du coup, ça implique qu'il y ait des groupes qui soient faits, les ateliers, bon, c'est en plus petit comité, je l'ai dit, donc des groupes qui seront affichés dans les amphithéâtres dans lesquels vous aurez les conférences de rentrée, donc l'amphi 5 et l'amphi 1, qui sont nos principaux amphis sur le site Vauban, c'est à Vauban que ça se passera. La BU, c'est à Vauban également, donc tout se passera sur Vauban. Et donc, c'est lorsque vous irez, dans les conférences de pré-rentrée que vous connaîtrez vos groupes, et donc vous aurez les horaires précis auxquels vous participerez aux ateliers que je viens de présenter. Alors, il faut savoir qu'il y a une réunion spécifique qui est prévue pour les étudiants qui sont admis en WIPLUS. Si vous êtes un fidèle du talk show, vous avez déjà entendu parler du WIPLUS. Si vous n'êtes pas un fidèle et que vous êtes passé par Parcoursup, en principe, vous en avez vaguement entendu parler aussi, j'espère. Le WIPLUS, ce sont les étudiants qui sont admis en WIPLUS, entre guillemets. C'est les étudiants qui sont admis avec aménagement, c'est-à-dire qu'ils ont donc un accompagnement spécifique pour leur permettre de réussir dans les meilleures conditions possibles. Et donc là, il y a une réunion spécifique qui aura lieu dans le grand amphi du site Vauban, aussi l'amphi A5, le mercredi 8 septembre, donc à 11h. Donc là aussi, vous aurez l'information qui vous sera rappelée sur le site, au moment de l'inscription, etc. Mais bon, vous pouvez d'ores et déjà le noter. Donc, dès lors que vous avez été admis, que vous avez accepté votre proposition en WIPLUS, il y aura donc cette réunion auquel il faut vraiment participer, puisque je l'ai dit, les enseignements commencent la semaine suivante, donc c'est pas la peine de commencer en ayant déjà des informations qui manquent. Je considère que savoir, c'est pouvoir. Et donc, quand on sait, quand on a l'information, on peut se permettre de réussir beaucoup plus facilement. Et puis, bon, la pré-rentrée, ce n'est pas que des choses qui touchent au purement pédagogique. Il y a aussi des animations. Hein. Donc, le président a commencé à vous présenter deux, trois petites choses. Là. Ces animations, elles se feront notamment via Twitch, puisqu'il y aura
Il y aura une session Twitch qui sera organisée en extérieur, en principe, dans la cour de Vauban, si tout se passe bien, s'il ne pleut pas. Mais bon, on va espérer qu'il fasse beau, où il y aura plusieurs présentations, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce sera l'occasion de rencontrer les services de l'université, donc les différents services de l'université présenteront chacun ce qu'ils font, et donc c'est évidemment très utile pour les étudiants qui arrivent. Il y aura la présentation des associations étudiantes également, qui auront l'occasion de détailler leurs activités. Présentation également de quantité d'émissions Twitch qu'il y aura l'année prochaine sur notre canal, et qui accompagneront également vos études à l'université de Nîmes. Donc il y a plusieurs émissions qui sont d'ores et déjà prévues pendant la semaine de pré-rentrée. Vous pourrez y assister en public, et puis bien sûr vous pourrez y revoir sur Twitch. Il y aura également un certain nombre de stands dans la cour de Vauban, la cour centrale de Vauban, la bibliothèque, le service médical. Il y aura un stand d'ailleurs également sur les jobs étudiants. Hein. Il y a un partenariat avec Pôle emploi. Pôle emploi sera présent donc pendant la semaine de la pré-entrée pour vous faire des offres d'emploi étudiant. Et puis les associations partenaires de l'université, la FEV, le Secours Populaire, la Banque Alimentaire, la Ville avec le service jeunesse de la Ville également seront présents au cours de la pré-entrée. Et il y aura sans doute d'autres animations qui seront organisées, musicales vraisemblablement, dans les douves autour de la cour centrale de Vauban. Et puis bien sûr, il y aura un moment qui est très important, fondamental, c'est la remise des cartes étudiants. Donc il y aura un stand où vous pourrez récupérer vos cartes étudiants, qui sont très importantes, puisque c'est une de vos meilleures amies pour les années d'études. Et histoire de vous féliciter d'avoir récupéré votre carte d'étudiant, il y a un cadeau qui vous est remis, un petit kit surprise, donc pour les nouveaux arrivants. Et donc là, bien sûr, je vous réserve la surprise pour la pré-entrée. Donc je le rappelle, hein, la semaine de pré-entrée, qui est la semaine du 6 septembre 2021, où on sera très heureux de vous accueillir en présentiel donc sur le site Vauban. Eh bien, merci Nicolas pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a des réactions? Bon, on ne l'a pas précisé, mais Clément Bonnet est un ancien de l'université aussi. Il me semble la première promo du Master 10, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des souvenirs un peu liés à l'établissement, peut-être aux rentrées dans l'établissement qu'on pourrait partager? Je sais pas si on peut tout dire. Non, mais j'ai le souvenir en fait de bah, quand on est étudiant, c'est un peu les meilleures années de sa vie, quoi, parce qu'on fait plein de rencontres et que ça bouillonne, qu'on fait plein de soirées, mais aussi qu'on apprend. On apprend plein de choses, et en fait on apprend surtout à travailler, quoi, et avoir de l'autonomie. On se rend vite compte aussi que ça c'est important, quoi. C'est une clé. Ouais. Vous avez fait le cursus licence master ici? Oui, j'ai fait la licence, puis j'ai un peu goûté à tout, puisque j'ai fait la licence en design. Puis le master MEF et le master 10. D'accord, master MEF qui est donc métier dans l'enseignement, et master 10 qui est le master design, innovation, société. Voilà. Très bien, mais merci pour ce petit moment de partage de souvenirs. Ému. Voilà, on a tous un peu la larme sur nos années. Sur nos années. Vous aussi, ça vous rappelle deux, trois petites choses. Oui, effectivement, j'ai pu connaître ça également. Bon, on va passer à la... S'il n'y a pas plus de questions, même dans le chat, on voit qu'on salue Afaf, hein, qui nous dit bonjour et qui a beaucoup apprécié l'interview. Et donc, on passe à la prochaine rubrique qui est le Campus en parle par Tom. Alors oui, merci Yannick. Alors cette semaine, moi, dans le Campus en parle, j'étais un peu embêté parce que c'est vrai que, comme on disait, le campus est de plus en plus... il se vide de plus en plus, il y a de moins en moins d'étudiants qui viennent, il y a de moins en moins de projets qui arrivent. Et du coup, bah, quand j'ai demandé à mes collègues associatifs du BVE s'ils avaient des choses que je voulais que je mette en avant, ils m'ont dit, à part le niveau catastrophique de la France au football, pas grand-chose. Donc, la défense surtout.
Alors du coup, je me suis dit que c'est la fin de l'année, les étudiants commencent à célébrer la fin de l'année, et du coup, on allait parler un petit peu de prévention dans la chronique du Campus en Parle cette semaine, parce que il y a quand même pas mal de choses. Le football, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu, ça fait l'actualité très régulièrement. Il y a l'Euro qui est en cours. Et en ce moment, vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux de plus en plus de gens qui parlent des paris sportifs. De plus en plus, on a des paris sportifs qui sont mis en avant à travers les publicités entre les matchs, pendant les matchs. Et la semaine dernière, on a pu voir plusieurs personnes qui se sont exprimées à ce sujet. On peut penser à ouvrir les guillemets, l'émission du YouTube sur Mediapart qui a fait une émission dédiée à ça, Brut qui a fait un petit reportage qui parlait de l'addiction justement aux gens en ligne, Sébastien Abdelhamid qui est un journaliste qui en a parlé aussi. Et c'est vrai que cette année durant les dernières années, en fait, les sites de Paris et les applications de Paris se sont mis de plus en plus à s'adresser aux jeunes à travers des communications qui utilisent de plus en plus des codes qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, une très très bonne maîtrise d'ailleurs des réseaux sociaux. Et c'était l'occasion de rappeler quand même que jouer, parier de l'argent, quand on est étudiant, en plus généralement on n'en a pas beaucoup, ça peut être sympa, ça peut être fun, et ça, vous pouvez tout à fait le faire si vous aimez ça, mais il faut faire attention à ce que vous faites. Le pari reste un jeu d'argent, ça peut être quelque chose qui peut vous amener à des addictions, qui peut vous amener à des difficultés. Donc voilà, je voulais juste vous dire, s'il y a des étudiants qui sont amateurs de paris, faites attention à ce que votre passion ne dégénère pas en addiction. On sait que ça peut être très compliqué, il peut y avoir des gens dont les vies sont vraiment très fortement impactées par ça, des difficultés sociales, des difficultés financières. Donc voilà, si jamais vous aimez les paris, méfiez-vous, renseignez-vous, faites attention à ne jamais parier plus d'argent que ce que vous pouvez vous le permettre, même si ce n'est pas facile à dire. Et si jamais vous êtes accro aux paris, sachez qu'il existe aussi des applications qui permettent de parier gratuitement, avec des récompenses virtuelles, sans dépenser de vrai argent, qui peuvent permettre à certains de parier, de s'amuser un petit peu, sans pour autant débourser trop d'argent. Voilà. Donc petite chose sur les paris, puisqu'en ce moment on est dans l'euro. Et d'ailleurs, je vous invite évidemment à aller voir les vidéos dont j'ai parlé, hein. Donc Usul et Ruth qui en ont parlé, et à vous informer là-dessus. En ce moment, c'est une problématique qui touche certains jeunes et potentiellement des étudiants de l'université. Mais quand je dis prévention aussi, comme je disais, on commence à finir. Là, j'ai vu des étudiants dans la cour qui étaient en soutenance pour leur mémoire. Il y a les derniers rattrapages qui sont en train d'avoir lieu pour certains. Et c'est vrai que quand on a fini l'année, on aime bien célébrer un petit peu, on aime bien sortir, aller fêter tout ça. En plus, avec l'année qu'on a eue, où on n'a pas pu sortir pendant une grosse partie de l'année, c'est l'occasion d'aller se défouler. Petit message, je sais qu'on l'entend souvent, mais si on l'entend souvent, c'est parce qu'il faut le répéter souvent et parce qu'on le dit jamais assez. Faites attention à vous. L'alcool, évidemment, il faut le prendre avec modération. On ne conduit pas quand on a bu. On fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à où on va. On prend soin de soi et de ses proches, surtout selon l'état dans lequel on peut se retrouver en soirée assez rapidement. Évidemment, même si je vais pas dire qu'il faut pas faire de grosses soirées où on boit beaucoup, parce que ce serait un peu hypocrite. Et en plus, je sais que les étudiants en feront quand même. Donc bon, je le dis quand même. Je sais que les étudiants font des grosses soirées. On le sait tous. On fait des grosses soirées. On s'amuse beaucoup. Ça reste quelque chose qui doit rester exceptionnel. Il faut pas non plus aller s'abîmer tous les soirs, parce que je vous assure qu'avoir des soucis de santé à cause de l'alcool, c'est pas rigolo. Et du coup, voilà, faites attention à vous, méfiez-vous. Selon où va la soirée, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui sont autour de vous. Respectez les gens, évitez de faire n'importe quoi. Et selon où va la soirée, évidemment, protégez-vous. Soyez toujours dans le respect de vous-même et des gens autour de vous, c'est le plus important. Pour un été qui risque d'être un défouloir pour beaucoup de gens qui ont mal vécu les deux dernières années, il faut quand même faire attention. C'est pas parce qu'on a accumulé beaucoup de frustration, beaucoup de stress, beaucoup de pression, qu'il faut tout relâcher au point de s'abîmer la santé. Ce serait dommage. Donc voilà, profitez bien de votre été en restant prudent, en restant raisonnable, et revenez en forme l'année prochaine, évidemment, à l'université de Nîmes. J'ai cru que vous avez mis une chemise d'été là. Ouais, je me suis dit, c'est bientôt les vacances, je vais profiter un petit peu. Chemise à fleurs. Ouais. Merci Tom, je pense que le message est validé par toutes les personnes présentes sur le plateau. Donc c'est toujours bien de le rappeler régulièrement. Est-ce qu'il y a des remarques, des compléments là-dessus? On passe à la prochaine rubrique qui est donc Unimactu.
Pour la rubrique Nîmes Actu, on va vous parler cette semaine de deux projets qui ont été mis en place à l'Université de Nîmes. Alors en premier lieu avec les bancs connectés que vous voyez à l'écran. Donc sur la cour de vos bancs, on a 5 bancs qui ont été mis en place, qui sont des bancs solaires sur lesquels vous pouvez recharger vos téléphones soit par induction, soit par USB. Et ensuite, on est dans la BU, là, vous voyez actuellement les images, donc des bornes de rechargement de téléphone avec des systèmes de verrouillage qui sont mis en place. Et on le voit, en fait, il y a plusieurs systèmes de prise qui sont mis en place. Donc vous retrouvez ces bornes à la BU, les bornes dans la cour, des petites innovations qui sont proposées à l'université. Donc vous pouvez en bénéficier dès aujourd'hui et certainement un peu plus à la rentrée quand vous serez revenu sur site. Donc voilà, on souhaitait vous présenter ces petites nouveautés que vous pouvez retrouver. Je ne sais pas si vous avez pu les essayer les uns les autres, mais les bornes de rechargement, j'ai testé, c'est très pratique. On peut laisser son téléphone quand on est en réunion ou quand on est de passage sur la BU et qu'on est un peu en limite de batterie. Bon, ça répond aussi à toutes les problématiques qu'on a bien connues cette année, de rester connecté un petit peu toute la journée avec tout ce qui se passe. Et voilà, donc c'est des petits moyens qu'on a... Enfin, des petits moyens. Des jolis moyens qu'on a trouvés, parce que c'est pas si petit, qu'on a trouvé pour pallier ces difficultés tout au long de l'année. Donc voilà, ben venez découvrir ces installations directement sur le site de vos bancs. Des bancs connectés, il y en a un sur Roche aussi, non ? Je sais plus. Il y en aura, ils sont pas encore, deux sur Roche. Voilà. Donc 5 sur vos bancs, 2 sur Roche dès l'année prochaine. Très bien, voilà, merci pour votre écoute. Et on va passer, alors on est en train de travailler sur la prochaine rubrique. Pour le moment, elle s'appelle La Minute Geek, mais le président a chronométré, ça dépasse largement la minute. Le quart d'heure geek. On reverra le nom de la rubrique dès la prochaine édition. Donc c'est quand même parti pour La Minute Geek par Tom. Alors oui, effectivement, du coup, bienvenue dans les Minutes Geek. Donc cette semaine, j'avais pas mal de choses qui sont assez sympas, des choses un petit peu insolites dont je voulais vous parler, qui sont arrivées sur les réseaux, sur Internet, sur Twitch. Mais avant tout, première chose, on sait qu'un des grands fantasmes des geeks en général, et même de beaucoup de gens en fait, c'est l'espace. Et grosse nouvelle, Jeffrey Bezos, l'ancien patron de Amazon, du coup, avec Blue Origin, va partir le mois prochain dans une première exploration touristique dans l'espace. Donc c'est quand même une info assez exceptionnelle. Moi, j'ai pu dire, ah oui, déjà. Donc il y a une personne qui va embarquer avec lui, dans la navette, qui a payé la modique somme de 20 millions de dollars pour un petit billet, pour une petite exploration. Donc voilà, c'est une nouvelle forme de tourisme assez particulière. Mais peut-être que vous allez me dire, bon, moi, j'aime bien l'innovation, j'aime bien la science, mais Jeff Bezos, c'est une personne qui m'est un petit peu antipathique, je l'aime pas trop. Eh bien, rassurez-vous, il y a quelque chose pour vous. Il y a une pétition qui a été créée sur change.org, qui est à destination en général du prolétariat. C'est comme ça que c'est écrit dans la description. La pétition pour que Jeff Bezos ne revienne pas, qu'il reste dans l'espace. Pendant son voyage, donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, déjà près de 150 000 signatures, mine de rien, sur cette pétition. Donc voilà, ça m'a fait rigoler, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, quand même, c'est audacieux, on va dire. Pour revenir un petit peu sur Terre et revenir un petit peu en France, on a eu la création la semaine dernière, enfin la première la semaine dernière, d'une émission sur Twitch, l'émission Backseat, donc qui a été créée par Jean Massier, qui est un streamer politique en fait. Qui parle de politique sur Twitch en essayant d'être le plus ouvert possible et de rendre la politique accessible au public de Twitch, qui parfois est un petit peu déconnecté, un petit peu jeune, qui a créé du coup une émission politique, un talk show politique, donc, qui était jeudi dernier à 20h, qui était super, super sympa, très intéressant. Donc il y a une production derrière, des invités politiques comme des invités streamers. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de vulgariser la politique aux jeunes en essayant d'être le plus apolitique possible, apartisan possible, en tout cas, apolitique pas du tout, mais apartisan, en essayant de mettre en avant différents points de vue. C'est une émission qui a été créée justement puisqu'on est dans une période, on sort tout juste d'une période électorale et là on va rentrer vraiment bien comme il faut dans la campagne pour la prochaine élection.
Donc du coup, ça commence à être de plus en plus important, on commence à de plus en plus en parler. Et c'est, je trouve, une des émissions qui réussit. C'est une émission qui a réussi à ramener la politique sur Internet sans les soucis qu'ont souvent les gens d'Internet avec la politique, sans être trop partisans, en essayant de prendre en compte le maximum, d'être dans l'argumentation, maximum d'avis, pardon, d'être dans l'argumentation. Donc, c'est une émission très intéressante qui n'était pas qu'une émission unique, ça va être un talk show récurrent. Donc, je vous invite à jeter un œil à Backseat, c'est super intéressant et c'est vachement bien construit. Alors, j'avais prévu de vous parler d'une petite actualité, mais au vu de ce qui s'est passé hier soir, je vais changer d'actualité et je vais vous recommander. J'avais prévu de parler d'un hymne qui a été composé pour l'équipe de France de football. Et je me suis dit, bon, tant pis, on va passer sur autre chose. Et en ce moment, c'est un truc, j'étais un peu frustré de ne pas avoir pu en parler sur Vue du Nid. Vous savez, j'aime beaucoup vous embêter avec des noms un peu compliqués et ce genre de choses. Donc, du coup, je vais vous parler des best-of de l'aventure GTA RPZ qui sont en train de sortir en ce moment. Alors, l'aventure GTA RPZ, en fait, à la base, c'était un sub-goal, donc un objectif de donation qui a été établi pendant le The Event, donc ce gros événement caritatif qui a été organisé l'an dernier. Donc, c'était un objectif de donation. Donc, si l'événement récoltait une telle somme d'argent, les gens faisaient cet événement-là. Et donc, en fait, ils ont créé un serveur sur GTA, donc Grand Theft Auto, qui est une série de jeux ultra connus. On se rappelle, il y avait eu beaucoup de bruit médiatique autour de la sortie de GTA V il y a quelques années. Et en fait, c'est un jeu qui est toujours en vie, notamment grâce à son mode en ligne. Et en fait, c'est un serveur qui a été créé, donc un serveur uniquement pour les personnes qui ont participé à l'événement. Et c'est un serveur RP, donc un serveur roleplay, sur lequel, en fait, toutes les personnes jouent un rôle. C'est une espèce de pièce de théâtre géante, en fait, avec plein de points de vue différents, puisque chaque streamer joue un personnage particulier qui raconte une espèce d'histoire totalement barrée, avec forcément plein de personnages très très hauts en couleur. Donc ça s'est passé il y a quelques temps maintenant, mais il y a les best-of qui sont en train de sortir, donc les montages des meilleurs moments, pour tout en restant cohérent. Et je voulais vous recommander en particulier les best-of de deux personnages, on va dire, qui sont donc les cousins Croot, Antoine et Daniel Croot, qui étaient interprétés par Bagheera Jones et Hortense, donc qui sont deux streameuses. On n'est pas souvent en avant les streameuses, malheureusement, donc autant les mettre en avant. Donc ça sort en ce moment sur YouTube, l'aventure des Croot sur GTRPZ par Hortense et Bagheera Jones. C'est très très drôle. Donc ces deux personnages, ces deux jeunes adolescents en recherche d'un stage, mais qui sont complètement barrés. Donc on les voit interagir avec plein d'autres personnages très très hauts en couleur. On peut penser à Donatien de Montazac, un noble vigneron qui est un peu dans de sales affaires, ou encore le docteur Maison, qui est le docteur de l'hôpital. Il y a plein de choses très sympas. N'hésitez pas à jeter un œil, c'est très divertissant, c'est très sympathique. Chaque best-of fait une vingtaine de minutes à peu près, et ils sont en train de sortir en ce moment, donc un sur chaque chaîne, Bagheera Jones et Hortense, je le rappelle. Et pour finir, donc, j'avais quelques recommandations que je voulais vous partager. Donc, tout d'abord, une chaîne YouTube. Alors, ça m'a surpris de revoir cette chaîne YouTube parce que ça faisait quelques temps qu'elle ne postait plus de vidéos. C'est les Chroniques de Vesper. Donc, Vesper, c'est une YouTubeuse qui a fait beaucoup de chroniques sur la pop culture et qui, là, cette semaine, a sorti une vidéo avec le site d'archives de science-fiction français. Où, en fait, c'est une vidéo où elle explore, enfin, elle découvre avec le directeur des archives les props, les outils, les costumes, les tenues, les accessoires qui ont servi pour le tournage des films Indiana Jones. Donc c'est super sympa, la vidéo est super cool à regarder, surtout si vous aimez Indiana Jones, ça vaut vraiment le détour. Donc du coup, voilà, une petite recommandation sur la chaîne Les Chroniques de Vesper, donc VESPVR, tout simplement. Et enfin, je me suis rendu compte que dans mes recommandations, j'avais moi encore pas parlé d'artistes, alors que je suis énormément d'artistes sur Internet. Et du coup, je voulais vous parler de fanart. Alors, les fanarts, c'est le nom l'indique et c'est très simple. En fait, ce sont des gens qui créent de l'art parce que ce sont des fans d'un produit. Donc, ils vont faire soit qu'ils vont reprendre des scènes et les redessiner, soit qu'ils vont créer des scènes dans leur imagination, soit qu'ils vont s'amuser à imaginer des petits sketchs, des petites histoires, soit qu'ils vont essayer de s'inscrire dans l'univers graphique d'un artiste ou dans l'univers. Les fanarts, c'est quelque chose qui est super intéressant. Moi, en étant étudiant en master fiction, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu dessus cette année. D'un point de vue des fan studies, c'est quelque chose qui est passionnant. Et surtout, si vous êtes fan d'un produit, si vous êtes fan d'une œuvre, que vous appartenez à une communauté quelconque, vous pourrez très certainement trouver des fanarts qui sont sympas. Donc, ça fait toujours plaisir d'en avoir quelques-uns.
Donc je vous en ai mis quelques-uns donc, à l'écran. Ici, vous voyez un fanart de Ajnarus, donc, qui lui est un fanartiste de la communauté de Jojo's Bizarre Adventure, qui est un manga qui est très très cool, donc qui lui fait des petits sketchs, en fait, des petites BD mettant en scène les personnages. Donc c'est un style très marqué qui est assez sympathique. Ensuite, je vous ai aussi mis une image, alors ça qui parlera peut-être un peu plus, Simon de Thuillère, donc en fait qui est un Français, qui fait des fanarts qui reprend en fait des films, des jeux vidéo, des affiches, en les faisant dans un style médiéval, enluminant médiéval, donc tout est écrit en ancien français. Donc ici vous avez une, alors on voit pas très bien sur le plateau malheureusement, mais c'est une parodie de Ratatouille, hein. Une parodie de Ratatouille. Ratambouille évidemment, mais vous pouvez retrouver absolument de tout. Pour les fans de jeux vidéo, récemment il me semble avoir vu du Street Fighter, vous avez Scooby-Doo, vous avez plein de choses. Donc Simon de Thuillère, qui est un artiste très très sympa, que personnellement j'apprécie beaucoup, avec son style très marqué. Donc voilà, c'est, lui il est, pour le coup il n'est pas dans une seule communauté, il fait plein de choses, mais en gardant toujours ce style médiéval, c'est assez sympa. Et je vous ai aussi mis un petit gif donc, qui a été créé par Keke Flip, qui est un autre artiste que j'aime beaucoup. Donc en fait, toutes ces créations sont dans ce style, donc ce sont des gifs uniquement, des petites animations, avec ce style un petit peu pixel pointillé qui peut rappeler à certains des Flipnote, donc qui est une application qui était sur la Nintendo DS pour faire des petites animations. Donc ici vous avez une image de Pochita qui est un personnage de Chainsaw Man, qui est un manga qui voit son adaptation un manga qui va bientôt être adapté en animé par le studio MAPPA. Donc voilà, Pochita qui est un personnage, je trouvais l'animation très sympathique, et sur son compte aussi vous pourrez trouver aussi bien des créations originales que des reprises, des fanarts, des petits mèmes, donc dans une bonne ambiance, qui a un côté très mignon, très agréable à regarder. Donc voilà, les fanartistes dans tous les cas, ce sont des gens qui font vraiment vivre les communautés. Donc si jamais vous êtes fan de certaines œuvres, n'hésitez pas à aller voir un petit peu si vous ne trouvez pas des petits dessins sympas. Et puis généralement, ce qui est bien avec les fanarts, c'est que les fanartistes se retweetent entre eux, se partagent entre eux, donc sur Twitter ou Instagram, généralement. Donc si vous en suivez un, vous pouvez en suivre d'autres petit à petit. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à 3h du matin à regarder des fanarts en préparant sa chronique pour vue du Nîmes. C'est très sympa. Donc voilà pour mes petites recommandations. Merci Tom, mais il me semble, on n'avait pas reçu un fanart de Le Roi de l'Histoire. Il me semble qu'on a reçu un fanart de Le Roi de l'Histoire. Est-ce qu'on pourrait montrer le fanart de Le Roi de l'Histoire? On a reçu un fanart de Le Roi de l'Histoire. Oui, donc ça a été réalisé par un fan de l'émission. Voilà, c'est l'émission commence à être piégeuse. Non, merci. T'as assez avec ça, c'est qu'il était chaud en plus. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais la perruque le camoufle bien. Et on salue la qualité hein, de la réalisation. Oui, c'est une grosse qualité. Pour la petite histoire, ça a pris quand même au moins une vingtaine de secondes pour la réalisation. Merci beaucoup pour cette chronique très riche, Tom. Alors ensuite, s'il n'y a pas de remarques particulières, on va passer à la chronique « Ça se passe à côté », qui va porter sur des artistes nîmois. On reste très artistique aujourd'hui, donc c'est parti pour « Ça se passe à côté ». Très bien. Alors merci Enzo. Enzo qui fait la régie. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la galerie Barros et Percy, donc qui sont deux artistes nîmois, donc Véronique Percy qui est sculptrice, qui fait pas mal d'œuvres très ancrées dans le naturel avec des tons très très liés à la terre. C'est extrêmement intéressant ce qu'elle fait. Je vous recommande d'aller voir ses œuvres. Donc la galerie se situe rue Émile Jamais, sur l'entrée de la rue, plutôt sur la gauche quand on vient du boulevard Victor Hugo. Donc et ensuite là, on est en train de vous diffuser, ce sont des œuvres de Melvin Barros qui sont donc réalisées par ce jeune artiste nîmois qui, pour la petite histoire, est aussi passé sur les bancs de Vauban en art plastique et art appliqué, puisqu'il a vécu la transition des deux filières il y a une bonne quinzaine d'années.
Donc Melvin que j'ai eu, que j'ai rencontré la semaine dernière, donc qui a pris le temps de me recevoir. On a discuté un long moment sur ses œuvres. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est du cru, qui est très terre à terre, très très lucide sur la réalité de son activité, qui a beaucoup de succès hein, dans, bien sûr, au niveau local, mais même au niveau national et international, puisqu'il participe à pas mal d'actions sur la scène internationale. Donc comme vous le voyez, c'est un artiste qui est très ancré dans le street art, le pop art, avec c'est des œuvres qui sont très colorées, très diversifiées. On retrouve pas mal de portraits en mode vitrail, c'est extrêmement intéressant ce qu'il fait. Vous connaissez peut-être ses œuvres parce qu'il a participé à la décoration du bar, le Victor Hugo. Vous les retrouvez aussi à cet endroit-là. Donc tout ce que je peux vous recommander, c'est d'aller directement dans la galerie et d'aller à la rencontre de Melvin, qui vous accueille avec plaisir et qui est toujours... qui est toujours prêt à discuter de ses œuvres, à expliquer ce qu'il fait, comment il le fait. Vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant. Donc, il est le plus souvent présent en matinée dans la galerie. Vous retrouverez ses coordonnées sur les réseaux sociaux, celle de Véronique Percy également. Donc il est en train de m'envoyer un message, c'est pour ça que je regarde. Je lui ai envoyé le lien pour regarder, mais... Il ne pouvait pas regarder, il regardera en différé, mais voilà. Donc je voulais le mettre en avant parce que voilà, des artistes de renommée au niveau local, on en a quelques-uns avec beaucoup de talent, donc je trouvais ça important de vous en parler. Ça me permet juste de basculer sur un autre événement, puisque Melvin participera au festival de la BD qui se tiendra les 2, 3 et 4 juillet sur l'esplanade de Charles de Gaulle à Nîmes. Donc, vous pouvez aussi le rencontrer là et puis rencontrer plein d'autres artistes de la BD et de la scène nîmoise notamment. Voilà, et je remercie Melvin qui nous a autorisé à diffuser ses œuvres là, directement sur Twitch. Voilà. La galerie, on peut la trouver où ? La galerie, c'est rue Émile Jamet, donc en face de Victor Hugo quasiment, hein, sur le boulevard. C'est à 10 minutes à pied de l'université de Nîmes pour les étudiants qui seraient intéressés. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez, vous, Melvin, ses œuvres. Il a fait une affiche alternative de la Feria, ça fait 2 ans qu'il l'a fait, là, qui est, voilà, avec plein de personnages pop art. Qui l'année dernière, c'était uniquement des personnages féminins de pop art, de la pop culture, pardon, qui était présent sur l'affiche. Extrêmement intéressant. Je ne sais pas, Clément, si... Moi, je les ai vus sur les tables, effectivement, du Victor. Oui. Oui, en fait, il a refait toutes les tables. C'est vraiment très coloré, c'est très riche. En fait, il y a plein de choses à regarder. On peut rester pendant plusieurs minutes à regarder le même tableau, comme souvent dans la peinture. Mais voilà, pour les néophytes en art, c'est quelque chose qui est abordable, qui est compréhensible, et c'est vraiment super, super agréable. Le côté pop culture est très sympa, on peut s'amuser à regarder, discerner tous les personnages qu'on connaît, essayer de trouver qui c'est, ceux qu'on connaît pas. On a, voilà, sur l'affiche de la Feria, enfin sur les deux, là, de celle de l'année dernière, cette année, il doit y avoir une cinquantaine de personnages de la pop culture sur les affiches, c'est super sympa à regarder. Enfin, quelqu'un à suivre en tout cas. Vous retrouvez sur Instagram, Twitter, sur les réseaux sociaux traditionnels. Merci, donc ça y est, le moment est venu. Non, on a fait quand même une défaite, une égalité. Pour le moment, c'est pas du tout ridicule. Tout va se jouer là, donc c'est parti pour le Let's Play. Alors, le Let's Play, j'essaie de faire quand même des questions. C'est un quiz que je propose aux participants de l'émission. J'essaie de trouver une thématique en lien avec notre invité et avec l'université. Donc là, un Fab Lab, une université, ça va être un quiz sur l'innovation. Ça peut. Alors, est-ce que vous préférez travailler en équipe ? Plus sympa en équipe. On repart sur les historiens contre le reste du monde. C'est parti. Donc ce sera donc Tom et Nicolas contre Clément et Benoît. Comment ça se passe ? C'est un jeu de... Si vous répondez quand vous avez la réponse, c'est de la rapidité. On essaiera de prévoir les buzzers pour la prochaine saison de Vue du Nîmes. On les fabrique au Fab Lab. Ah,
Donc alors c'est un titre. Donc on aura des buzzers l'année prochaine en forme de logo Unib, évidemment. Et un tarif défiant toute concurrence. Donc une première question qui va être un au plus proche. Donc vous avez le droit de vous concerter par équipe. On cherche une date. En quelle année a été envoyé le premier email? Wow. Je vous laisse 10 secondes et je prendrai une date par équipe. Est-ce que vous voulez un indice? Ah oui. Un indice? Le premier email a été envoyé sur ARPANET et pas Internet. Okay. Donc c'est plus ancien que ce que vous deviez penser, j'imagine. Allez, la réponse des historiens. Tom et Nicolas. Je vous laisse. 1978. 1978 et la réponse. Moi, j'aurais dit peut-être un peu avant, du coup, sur ARPANET. Mais... C'est au plus proche, quoi. Oui, c'est au plus proche. Bon, 72. 72. C'était 1971, donc on est quasiment sur un tout pied. Bravo. Bravo. Je vais faire mon petit tableau. Donc, Benoît, Clément contre Nicolas et Tom. Donc, c'est un point pour l'équipe Benoît. Allez, une autre petite innovation qui met le focus sur l'université de Nîmes. Il n'y aura qu'une question facile. C'est celle-là, c'est votre bon. C'est la question le plus rapide, là. C'est pas une date, hein. Quel dispositif a permis à l'université de Nîmes de conserver des relations avec ses étudiants pendant les périodes de confinement? Garde en contact. Bonne réponse du président, on en attendait pas moins. Troisième question, en quelle année a été créée l'ABU? Non. Non, mais il y a eu deux bonnes réponses d'affilée. Bon, il fallait quand même. Très bien. Troisième question. C'est aussi un au plus proche. Donc, en quelle année a eu lieu la première greffe du cœur? Première greffe du cœur. Au plus proche. 1982. Les historiens, c'est bon, c'est validé, 82. Combien? 82. 1980. C'est tard. Ouais, 1982. 1800, c'est chaud. Ils ont peut-être essayé, on n'a pas les archives. Plutôt. Ouais, moi, je dis plus tard aussi, donc vas-y. 80, c'est l'Afrique du Sud. 90, et c'est 1967. Ah ouais, j'y suis pas. Première grève cardiaque, 1967. Effectivement, donc bonne réponse des historiens. Qui était plus proche, mais voilà, il y avait quand même quelques années. Les Brest mesurent 1500. C'est ça. Si 10 200, vous gagnez. Et voilà, c'est à peu près la même référence. Et pour la petite histoire, c'est pas la véritable première greffe qui en fait a été réalisée en 1964. Ah, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Ouais, mais on gagne quand même. Hein. Au cours de laquelle des chirurgiens avaient tenté de greffer au patient le cœur d'un animal. De quel animal s'agissait-il? Le cochon, c'est l'animal le plus proche de l'homme. C'est le singe. Je prends un singe. C'était un chimpanzé. Un chimpanzé. Donc on est sur une belle égalité. 2 à 2. C'était une vraie question. Ça comptait. Alors, petite question impression 3D. Là, on va falloir être à la hauteur, les historiens. Comment s'appelle la technique permettant d'imprimer du tissu humain avec une imprimante 3D? Ça peut se deviner, c'est un terme anglais. Le skin print? J'ai presque envie de le donner, mais c'est pas ça. Du tissu humain. Skin tissue? Je sais pas. Non. Non, c'est le bioprint. On était vraiment pas loin. Donc 0 point, tant pis. Oui, c'est pas forcément pour toi. Ouais, tissu. Ça, c'est OK. Parce qu'on fait des oreilles, effectivement, en impression 3D. Ils ont fait alors je ne connais pas le détail de la technique, mais oui, ils font des tissus humains qui ont vocation à être greffés en impression 3D.
Ensuite, au plus proche encore, il n'y aura pas que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. En quelle année si, quand je vous demande le bioprint, vous ne trouvez pas, donc je fais des dates et puis on me dit qu'il y aura bien qui sera plus proche que l'autre. Hein. C'est plutôt sur l'à peu près en ce moment. C'est ça. En quelle année a-t-on posté la première vidéo YouTube? C'est pas cette année. Non. Je donne des indices. 2002, 2003. Vidéo YouTube, pas la vidéo sur Internet, la vidéo sur la plateforme YouTube. Les historiens, une idée? On les laisse répondre. J'essaie de me projeter par rapport à Facebook. C'était quand le Facebook là? Moi, je peux pas dire. Moi, je connais la réponse. J'ai le meilleur rôle ici. Bon, allez, une date. 2006, je sais pas. 2006. Ouais, vas-y, pareil, 2006. Ah, mais c'est pas possible. 2007, on va dire. 2005. Ouais, du coup, en fait, il faut voir. Vous êtes plutôt janvier ou décembre? Si vous voulez, on peut fonctionner comme ça. Moi, ça peut aider. On va dire 2005. 2005, c'est 2005. Oh, bravo, bravo, pile, mais c'est quand même qu'un seul point. C'est quand même qu'un seul point, on est sur 3-2. Ouais, quand on tombe direct dessus, ça devrait être 2 points. Oui, c'est vrai, ça devrait, mais non. Mais j'aurais pu, c'est vrai, sur un tout pile. Alors, maintenant on cherche un personnage historique. Bon, quelqu'un d'innovant. Il est considéré comme par certains. Vous n'attendez pas que je finisse, hein, c'est assez long pour vous donner un maximum de détails, donc dès que vous l'avez, vous le donnez, autant de tentatives que vous le souhaitez. Il est considéré par certains comme le père de l'informatique. Il est né en 1900. Bravo. Alan Turing. Ah, j'avais vraiment. Je suis un peu déçu. J'avais un super descriptif. D'ailleurs, je crois que c'est en Angleterre, ils vont éditer un billet à son effigie. Ah ouais. Il n'y a pas la question sur le film. Quel était le titre du film? C'était pour 0 point. Ça, je l'avais. Oui, alors, super film qu'on recommande d'ailleurs sur Alan Turing, vraiment exceptionnel, qui donc est la personne qui a décrypté la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ensuite a terminé sa vie dans des conditions assez sordides, puisqu'il a subi un procès pour homosexualité. Pour ne pas aller en prison, donc il préfère une castration chimique. Hein, il finit par se suicider en mangeant une pomme dans laquelle il avait injecté de. Je crois que je l'ai noté, de l'arsenic, je crois. Cyanure, pardon. Donc voilà. Et donc cette pomme croquée, c'est une référence de Apple, Alan Turing, le logo de Apple vient de là. Voilà. Voilà. Donc j'ai quand même dit un petit peu les trucs que j'avais notés. J'étais quand même fier de ma description. Le film est vraiment excellent film avec Benedict Cumberbatch en personnage principal qui joue Sherlock Holmes, qui joue Doctor Strange dans Avengers aussi. Quelqu'un multifacette. Pour la petite histoire, mon fils qui est en quatrième, le prof de maths leur a projeté le film. Ouais. Sur la dernière semaine de cours, bon, tout est terminé, et pour dire aussi que c'est un film aussi qui est diffusé aux collégiens pour montrer aussi l'importance de la recherche. De la recherche et de l'informatique. Oui, c'est ça. Mais ce film est vraiment assez impressionnant. Quoi, je pense, et le réalisme aussi. C'est vrai que ça a l'air d'être. Ils ont eu le souci quand même de la réalité historique sur le film. Pas intéressant. Ensuite, une question rapide et au plus proche. En quelle année a été créé le concours Lépine? Innovation, concours Lépine. 1902. 25. C'est validé 25, c'est validé 2. Vraiment, on n'était pas loin des 2 points puisque c'est 1901. Oh, bravo les histoires. Alors par contre, là, les histoires, on est sur du 5-2. Désolé, mais l'histoire est pliée. L'histoire est pliée. On a gagné une dernière question. On l'a pas compté. Ouais, mais c'était quand même simultané la réponse en plus, donc même pas. On peut dire que la dernière est sur 3. Ah! Sur 3, moi je trouve que c'est petit joueur sur 4. À 3, vous jouez que l'égalité. Ou alors c'est la golden carotte. Vous la connaissez ça, hein? C'est un truc de. Ah, c'est sur RMC qui font ça. C'est ouais. La golden carotte, celui qui. Est-ce qu'on joue un tout pour le tout? Elle est pas mal. Pour le jeu. Allez, le jeu. Allez. Un tout pour le tout. On cherche un personnage. J'ai une belle description aussi. Donc c'est aussi un mathématicien américain, un théoricien.
période de début 20e siècle, enfin première moitié 20e siècle, chercheur en mathématiques appliquées, surtout connu comme le père fondateur de la cybernétique. Stéphane. Mais il va y avoir des indices. C'est des indices. Donc, il écrit un livre où il expose ses théories sur la cybernétique qui s'appelle, attention, mon anglais va être formidable, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. C'est Asimov, mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et un indice qui va vous aider, puisqu'en fait, c'est pas sur la connaissance du personnage, mais c'est sur ce qu'on a nommé après lui. On a une allée qui porte son nom juste à côté du site JIS et du Fab Lab. C'est Bess. Non, c'est, je crois qu'elle fait la continuité de Bess. C'est sur Georges Bess, c'est le... Oui, c'est ça, oui. Elle est juste avant, côté... côté du, des bâtiments, là, des grands bâtiments. Je regarde Google. On va faire la dernière question. Un point, plutôt. Non, c'est pas Bell. C'est pas Graham Bell, non. Non. C'est une allée qui conduit... c'est vraiment sur la gauche, en sortant de GIS. après, Rompuy, là. C'est, le prénom, c'est Norbert. Ça vous vient pas? C'est Norbert Wiener. Et donc, en fait, bon, pas facile à trouver, mais je pensais que vu que c'était la rue juste à côté... Ah, Fab Lab de Nîmes. Non, mais désolé, dans le chat. Hein, Fab Lab de Nîmes qui répond, allez, Norbert Wiener. Donc, moi, j'ai envie de prendre, de prendre la réponse pour la team Fab Lab de Nîmes. C'est ça. Non, mais pour le Fab Lab de Nîmes. Bien sûr. Donc, je ne sais pas qui est derrière, mais... là, je suis tenté, c'était l'équipe Fab Lab quand même. Moi, je dirais que le. On va s'appuyer sur l'équipe extérieure. Bonjour. Très bien. Bon, en tout cas, il y avait la réponse chez le Fab Lab. Merci pour bravo la. Bravo Fab Lab de Nîmes. Bravo Fab Lab. 4 points pour Fab Lab de Nîmes. Très bien. À faire valoir sur la prochaine émission. Du coup. Donc, très bien. On a terminé le programme. Si vous me permettez, c'est la dernière. Non, mais Benoît. Non, mais 3 points, juste 3 points à dire. Oui. C'est la première, c'était vendredi commence l'exposition Nîmes Illustre, exposition d'illustration sur 5 sites dans la ville et notamment à l'Université de Nîmes. On l'avait dit la dernière fois, mais je le rappelle parce que ça commence vendredi et ça terminera le 24 juillet. La dernière des choses, c'est derrière Yannick, voilà. Profiter de voir ce logo, je ne le verrai pas pour longtemps, j'en dis pas plus. Et la dernière des choses que je voulais dire en tant que président de l'université, c'était pour passer la priorité sur les vaccinés et pour permettre une bonne rentrée sur les vaccinés et rester vaccinés. Et pensez-y parce que y a un variant Delta qui arrive et ceux qui sont vaccinés sont prémunis et il faut le savoir. Et je le répète, et voilà, c'était mon message de fin. Très bien. Remerciements. Ouais. À Yannick pour cette première saison. Merci beaucoup. Merci. De cet engagement. Et je suis très fier de voir au titre de l'université. Et Nicolas, je pense que ce sera comme moi pour d'avoir des collaborateurs comme ça qui montent des émissions et des talk shows, même si parfois ça nous ridiculise. Hein, mais je ne parle pas. C'est le jeu. C'est quand même une fierté pour l'établissement. C'est juste pour ça que je le fais. Merci à vous. Moi aussi j'ai pas mal de remerciements à adresser puisqu'en fait c'est donc la dernière de vue du Nîmes pour la saison 2020-2021 qui n'aura été que 2021. Donc on va essayer de revenir l'année prochaine avec plein de nouveaux formats. Il y aura pas mal de choses qui seront présentées pendant la pré-rentrée. Et j'ai plein de remerciements à adresser pour les gens qui ont participé à la web télé Unim, puisqu'on a fait beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pu imaginer depuis la création, qui a eu lieu, je crois, le 17 mars 2021, avec le premier magazine où on recevait Rémi Desbonnets, David Tebib et plein d'acteurs intervenants de l'Université de Nîmes. Donc moi, je voudrais remercier les services de l'université, déjà, pour leur accompagnement. Le service communication, Marine, Gaël, David, qui sont présents, qui nous relaient sur les réseaux, qui sont toujours de bons conseils. Le service audiovisuel, avec principalement Nabil, qui vient habituellement nous faire les régies et résout tous nos petits problèmes techniques divers et variés, et qui répond à notre niveau d'exigence qui ne cesse de monter. Donc merci à Naïda qui est venue tous les mardis pour nous aider à faire la mise en place de Vue du Nîmes.
Merci à Enzo aujourd'hui qui a été prévenu au dernier moment, qui nous a fait la régie avec un brio incontestable, vraiment qui a été largement à la hauteur. Merci beaucoup Enzo pour avoir été présent. Et puis maintenant, merci aussi à nos participants ultra récurrents de la Web TV. Donc on retrouve Benoît qui nous a fait tous les vues du Nîmes et plein d'autres participations. Nicolas qui est présent sur les vues du Nîmes, qui a été l'émission certainement la plus récurrente de la Web TV, puisque quasi toutes les semaines on l'a retrouvé avec le roi de l'histoire. On va faire la 10e demain. Demain c'est déjà la 10e, vous vous rendez compte, depuis mars, il n'y a pas eu tant de semaines que ça. Donc beaucoup de régularité, et demain enfin, c'est le final. Alors j'ai changé d'avis, je vais pas faire le canal. Donc demain pour le final, c'est donc le canal de Suez pour le roi de l'histoire. Donc merci beaucoup, merci d'avoir cru à ce projet. Merci à Tom qui est ultra présent, qui du coup est présent, qui a monté un format qui est la Cahute, qui a été présent pour la technique, la régie dans quasi toutes les émissions qu'on a montées. Bon, après ça a été le concours d'éloquence, ça a été toutes les mises en place sur les événements ponctuels, les événements recherche, on en a fait plein. Les séminaires des doctorants, on en aura fait 7 ou 8, Tom a été là sur pas mal d'entre eux. On a fait entretien avec un chercheur la première la semaine dernière, un format qu'on va essayer de renouveler aussi. Donc merci beaucoup Tom. Merci à nos invités qui sont venus sur Vue du Nîmes, on a reçu Abdelsan Marie, Évrard Zaouche et Clément Bonnet. Donc merci beaucoup. Donc merci. Voilà, moi c'est tous ces remerciements que je souhaitais adresser. Et puis merci aussi du coup à la direction, donc il y a Benoît, il y a Nicolas, il y a Samir Sidouki, notre DGS, qui ont accueilli d'une manière ultra positive le projet Twitch. Bon, j'ai pas été le seul à le porter, hein, donc il y a Axel aussi qui est super présente sur le projet, qui coordonne l'après-rentrée l'année prochaine. Donc merci à Axel. Axel Cadière, notre vice-présidente vie étudiante et vie de campus. Donc merci beaucoup, merci pour votre écoute, merci d'être toujours partant pour les idées qui sont pas toujours suivies par tout le monde, mais vous êtes présents et ça je vous en remercie beaucoup. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci à tous, merci d'avoir regardé, merci à Luc sur le chat aussi, et voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.